Johnny Hallyday, le chanteur aux millions d'albums vendus, est connu pour sa passion de la moto. On connaît également son intérêt pour les voitures rapides et racées. Quatre voitures seulement sont exposées, une bonne vieille Triumph, l'Iso A3C de 1967 à carrosserie riftée, une Ferrari 275 GTB de 1963 et une Ford Mustang Monte Carlo 1967. Henri Pescarolo était à l'honneur grâce à Motul. Nos Sartois sont présents, Washington Photo et ses célèbres photographies des 24 heures en noir et blanc. François Bruère qui expose ses derniers tableaux. On a remarqué également quelques belles pièces en miniature. Et puis un petit tour chez les vendeurs de pièces détachées pour trouver votre bonheur. Et si vous êtes plus fortuné, la vente aux enchères Bonhams est exceptionnelle. 80 véhicules de collection sont à vendre. On peut acquérir l'un des véhicules publicitaires de la caravane du Tour de France. Un concept car biplace affichant 60 km est dessiné par Giugiaro. La sirène de l'usine Renault sur l'île Séguin, elle a fonctionné de 1934 à 1992. Et une Bugatti oubliée, eh oui, un Anglais de 89 ans est décédé. Et laisse derrière lui un incroyable héritage, une Bugatti 57S Atalante de 1937. Abandonnée 48 ans au fond d'un garage, elle est vendue dans son jus. On passe chez les constructeurs avec la Citroën Type A, née en 1919. Citroën fête donc ses 90 ans. Conçue pour le grand public grâce à des techniques de montage modernes, cette voiture porte le nom de son concepteur, André Citroën. Cet homme et son entreprise se démarqueront dans l'histoire de l'automobile grâce à cet esprit avant-gardiste qui a façonné des modèles révolutionnaires, la traction avant, la DS et la 2 chevaux. Depuis 27 ans, l'aventure Peugeot met en valeur et gère le patrimoine de la marque Peugeot qui représente quelques 120 années de production automobile. Cette mission historique n'exclut pas la réflexion sur les enjeux de demain. À l'occasion de Rétromobile, l'aventure Peugeot présente un panel de véhicules qui illustre le thème des énergies alternatives, de l'ancêtre à vapeur à la voiture légère électrique. À côté de son moderne cabriolet Z8, BMW présente un ancêtre de 1936, le Roadster 328, ainsi qu'une version plus confortable, la 329.
Même chose avec la Mini, Mini d'aujourd'hui et Mini d'antan. Mercedes célèbre 2008 au championnat du monde de Formule 1 en évoquant les belles années des puissantes flèches d'argent avec la W165 de 1939. Et on termine cette présentation avec les moteurs d'une association de Giverny. De la moto maintenant avec un siècle de bicylindres. Avec un seul cylindre, le moteur ne produit sa puissance qu'un tour sur deux. Avec deux cylindres, il tourne régulièrement à pleine puissance. Ce sont deux ingénieurs allemands qui ont imaginé la première moto bicylindre en 1894. Un cylindre, c'est bien, deux, c'est mieux. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'Europe compte quelques rares motos bicylindres. Trop prestigieuses, elles sont l'apanage de motards sportifs attentifs à leur standing. On doit la démocratisation du bicylindre à Triumph qui, dès 1937, mais surtout à partir des années d'après-guerre, lance son modèle légendaire, la Speed Twin. Elle a tous les talents, racée, performante, robuste, et en quelques années, elle est imitée par tous les autres constructeurs. L'exposition, qui couvre un siècle de bicylindres, rassemble plus de 40 motos. La voiture propre à 100 ans, à l'heure où les voitures électriques et hybrides sont en vedette dans tous les salons automobiles, Rétromobile présente une vingtaine de véhicules à vapeur, à air comprimé et même électriques. C'est étonnant, ce sont les ancêtres de nos véhicules à énergie propre et on s'aperçoit que le progrès n'est pas très rapide sur ce sujet. Et on commence par les machines à vapeur avec une Everett de 1890 et une Stanley de 1900. Une De Dion-Bouton de 1885, propriété de notre musée de l'auto sartois, comme cette moto à vapeur de 1920. Un tramway à air comprimé, une invention de Denis Papin, reprise par l'ingénieur Mekarski, qui équipe ce tramway adopté par la ville de Nantes en 1880. La première voiture hybride, essence électrique, de M. Auguste Gonnet, inventeur en 1952. On passe au tout électrique avec une Dauphine de 1959 équipée par Russell Feldman, un fabricant de batteries. Le célèbre magasin londonien à Rhodes utilisa jusqu'en 1919 des camions de livraison électriques. Une limousine de voyage de 1908, la Krieger électrique, encore une propriété de notre musée sartois. Une Milde Krieger, cette fois de 1941. Un scooter électrique de 1942 et une petite Stella de 1941 construite à Lyon. La jamais contente de 1899, vedette de l'affiche 2009 de Rétromobile. Construite par l'ingénieur Camille Genazzi, la jamais contente est une voiture électrique en forme de torpille sur roue. La carrosserie est en tartinium, un alliage de aluminium, de tungstène et de magnésium laminé.
Elle est le premier véhicule automobile à franchir le cap des 100 km/h le 1er mai 1899 à Achères dans les Yvelines. Une Bugatti type 56 électrique présentée au salon de l'auto de Paris en octobre 1931, en même temps que la Bugatti Royale. 10 exemplaires furent fabriqués de 1931 à 1936. Et enfin une Peugeot VLV de 1941. Alors que la France est occupée par les Allemands, Peugeot lance cette petite voiture électrique. La VLV pèse 365 kg, roule à 30 km/h et peut couvrir 70 à 80 km. Elle fut notamment utilisée par la Poste.